So oggi ho invitato chi mi persuade ici. Un grand leader de la vérité, un avocat, bien malade dans l'hôpital, et lui aussi, Nelson Mandela, fin lutter pour la vérité et pour la justice pour ce peuple dans l'Afrique du Sud. En même temps qu'il peut respirer sur la dernière moment, nous ici dans Maurice, nous finissons la lutte pour apporter la vérité et la justice dans l'affaire amicale. Qui était l'affaire amicale? L'affaire amicale qui égale l'injustice et sa injustice là. Aujourd'hui, il y a quatre personnes innocentes. Et quand nous disons innocents, quand l'équipe Ramavala est déjà innocent, nous ne pouvons pas partir si même pour nous dire ça. Il y a quatre personnes innocentes dans la prison depuis plus de 15 ans. Nous, dans nous l'équipe, nous ne sommes pas capables d'assister. Tranquille, mettre au avocat, mettre rabat, aller dans la cour, sortir quand une injustice extraordinaire passait devant nous. Sous sa équipe-là, pas capable de faire la justice, ça jour-là, moi espérer tout ça va être camarade qui dans sa équipe-là pour prier le trop et pour le vote. Une profession. L'injustice, quand tu commençais, l'injustice commençait premièrement quand faire l'enquête de la police. C'est la première injustice commençait. Les malheureux. Dans Maurice, il y a certaines de la police ou certaines sections de la police, je pensais qu'ils étaient capables de mettre la justice par rapport à la brutalité. Quand on dit la brutalité, policière, la violence, l'hypothèse de violence physique, et la torture psychologique également. Et ça, et dans l'idée de Maurice, moi, mon expérience, et sorti, si nous mettons Djibouti ici, c'est pour combattre sa qualité d'injustice-là. Et l'autre étape de l'injustice, côté T, c'est dans la cour. Et sorry pour dire ça. Et vous connaissez Rami Ratna, il n'y a pas de passeport 10 semaines pour causer quand il a proposé. Pour qui nous sommes capables de combattre l'injustice dans la cour, nous devons revoir nos systèmes dans la façon qui nous recrute par le magistrat, par le juge et par le prosecuteur. Ou pas capable. Jamais, ou pas finir un track record dans la défense, et soudainement, on vient un prosecuteur, et soudainement, on vient un magistrat, ou soudainement, on vient un juge. Et quand moi, je peux paraître devant ce magistrat-là, quand on dit à lui, Allah, il y a un problème, mais il n'y a pas pour comprendre même la vérité si il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas fait gagner cette expérience-là dans sa profession-là. Ça, dans la cour, deuxième étape, la justice. Et on ne peut pas vous oublier. Qui dit la police, qui dit magistrat, qui dit juge, qui dit prosecuteur, nous tout y mettons. Nous tout qu'il faut faire.
C'est ça qui en est dit, we are subject to human imperfection. Un grand pays comme l'Angleterre, comme l'Amérique, comme l'Australie, nous héritons du système judiciaire en grande partie de l'Angleterre. Même dans l'Angleterre, un juge, une découverte qui se fait. Il y a quelqu'un qui faut, pas mis d'accès, pour le bâtiment innocent, dans prison. Mais qui fait faire dans sa bande pays? Dans sa bande pays, fait faire une institution qui appelle Criminal Cases Review Commission. Qui sa commission a fait? Dans l'Angleterre, il est basé à Birmingham. Qui fait, il est basé à Birmingham parce que sa case Birmingham 6 qui est arrivé. C'est à cause de ça. Se dire, alors, nous laisse la justice commencer depuis Birmingham. Je crée sa commission dans Birmingham pour prévoir une preuve qui est là. Pour qui, comment amène la justice. Qui fait dans Maurice Pacquiao? Qui fait nous penser qui nous juge, nous bon magistrat, pas faire rêver? Qui fait nous penser et faire nous croire qui dans qu'est l'amical, pas finir dans les réels judiciaires? Qui fait? Mais on a une occasion. Et si Dieu nous rappose aujourd'hui, Ramavalaiden, il a fait faire un travail extraordinaire. Travail que la police utilise à faire. À l'époque, travail qui va enquêter utilise à faire à l'époque. Ce n'est pas fait faire. Ce n'est pas fait assumer cette responsabilité. Qui fait parce qu'il y a une culture n'est pas confession du monde. Battre, prendre confession, torturer, prendre confession. Confession-based evidence. Et aujourd'hui, le Djibouti-là vous demande la justice. Il y a 4 Djibouti qui sont en prison et sont innocents. Pas capable de continuer comme ça. Si capable de réouvrir l'enquête dans l'affaire Michaela Hart, bien capable de réouvrir l'enquête dans l'affaire Michaela. Nous vivons dans un pays que nous tient dans un état de droit. Qui me tient ça pour l'autre? À cause de notre frère Soumoni et les autres qui sont en prison, on dit mon pauvre. Michael Ahab, un autre pédestal, c'est à cause de ça la différence. Des bébés qui ont droit à venir. Qui existe à cause de sa dédiction dans ce qu'il y a là, il trouve que nous ne pouvons pas ça veut dire qu'ils sont innocents. Mais qu'on vit à cause de là, qui lui veut dire? Est-ce qu'il y a un djimoun qui vient trouver coupable dans la cour et un certain djimoun qui est innocent? Et mais ça va nous clair, oui, et un djimoun innocent dans prison. Tant que ça l'équipe là, pas pour laisser du monde innocent reste en prison pour plus qu'une seconde. Et nous pouvons demander l'autorité concernée. Rendre service, réouvrir l'enquête
par rapport à ce qui est dans la dent, à une révélation qui va le camarade pour venir causer tout à l'heure, l'histoire pour toute nous raison. Et aujourd'hui, c'est un jour historique parce que c'est à partir de là que nous, Criminal Cases Review Commission, pour pouvoir mettre sur pied. Merci beaucoup.